Shalom les bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi aussi ça va, on est là pour la grâce de Dieu, on est là pour la gloire de Dieu, on est là pour nous édifier bien-aimés dans le Seigneur parce que ce que nous sommes en train de passer ces derniers temps de vivre, vraiment c'est le temps de la fin. Et à ce qui concerne le message que les apôtres, que Jésus-Christ nous a parlé, nous sommes en train de voir que nous sommes vraiment vers la fin. La fin, pourquoi? Ce n'est pas demain ou après-demain que ça va arriver, mais Dieu seul sait c'est quand, mais le temps est proche, vraiment, nous sommes en train d'aller vers la fin, parce que nous sommes en train de vivre les signes dont le Seigneur nous a parlé dans l'Apocalypse. Quand nous verrons ces signes, c'est ce qui va nous montrer que le Seigneur est à la porte. Maintenant, il n'y a personne qui connaît ni les jours, ni l'heure, ni la date, à part que lui seul, le Créateur. Alors, ce que je veux vous partager d'abord, je veux vous partager beaucoup de choses dans cette vidéo, mes amis, parce que c'est FP. Il ne veut pas que nous parlons, mais nous allons parler toujours. Tant que le Seigneur nous fait grâce d'être en bonne santé, de venir ici pour vous parler, on va parler seulement. Vouloir ou pas, nous on va parler pour épargner nos bien-aimés de vous les loups ravisseurs. C'est vous que le Seigneur parlait de loups ravisseurs qui s'introduiront au milieu de nous. Nous, les brebis de Dieu, nous sommes entourés par les loups ravisseurs. Alors, toi qui ne veux pas qu'on puisse parler de ces loups ravisseurs, donc tu es du diable. Tu ne veux pas qu'on puisse avertir nos sœurs, nos frères à quitter ces gens-là parce que ce sont ces gens-là que le Seigneur parlait, les ouvriers de maman. Ils n'ont pas le Saint-Esprit dans leur vie. Leur mission, c'est pour égarer les enfants de Dieu. Parce que vous êtes là en train de détruire les enfants de Dieu. Et quand nous, on parle, vous dites que nous sommes là en train de chercher seulement les vieux et vous égarez les enfants de Dieu. Nous, nous sommes là pour mettre en garde le brebis de Dieu. Fuir ces égarés-là. Si tu te retrouves que tu es déjà un égaré, c'est pourquoi tu es dérangé quand nous parlons. Mais nous aussi, on ne va pas cesser et on ne va pas s'arrêter tant que le Seigneur nous accorde le souffle de vie. Tant que vous êtes là pour faire vos baises sur les réseaux sociaux, tant que vous êtes là aussi pour faire votre œuvre de diable en personne, et nous aussi nous sommes là pour faire l'œuvre de notre Père, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a rachetés à la croix par son sang. Nous, nous sommes libres de parler à nos bien-aimés qui vont écouter pour quitter vos liens là, les ligablos, vos boutiques là, vos entreprises là, des kanguka, des entreprises là, des compassion, des entreprises là, des Raoul Wafou, des entreprises là, des Jérémy Soudrid, les entreprises là, de ces gens-là que vous connaissez. Ils se sont déjà groupés, non? Vous le voyez? N'est-ce pas? Nous, on est là pour avertir nos bien-aimés. Alors, quand les gens-là sont en train de parler, de vous parler, alors il faut les demander, où sont les gens-là que le Seigneur nous a parlé, que s'ils étaient possibles, ils pouvaient séduire même les élus de Dieu. Alors, où sont ces gens-là, les faux prophètes, les faux pasteurs là, que le Seigneur nous a parlé? Alors, si toi, tu ne les vois pas ici sur le média, donc tu es aussi parmi les égarés qui vont les accompagner, aller faire les grilles, les barbecues dans les lacs de feu. Tu vas les accompagner alors. Venez seulement me taxer de tout et de rien. Venez seulement dire n'importe quoi à la sœur Francine, la servante de Dieu.
Moi, je suis là. Ce n'est pas pour vous. Si tu es fanatique, je ne suis pas là pour toi. Je suis là pour le brebis de Dieu qui sont là en captif, qui sont là en otage. Moi aussi, j'étais là-dedans, mais ce n'est pas la grâce de Dieu que je t'ai sorti de là. Parce qu'il n'y avait rien de Dieu là-bas. C'est le moment où jamais le Seigneur nous a dit, là où il n'y a pas sa présence, nous devons faire quoi? Fuir! Fuir, mes bien-aimés! Moi, je suis là pour vous dire la vérité. Taxez-moi comme vous voulez. Moi, je le fais pour la gloire de Dieu. Je le fais pour vous avertir de quitter ces gens-là. Il n'y a pas Dieu là-bas. Il n'y a pas de choses de Dieu là-bas. Ce n'est que des séducteurs. Ce n'est que des entreprises. Ce n'est que des synagogues du diable, de démons. Alors, quittez là-bas. Quittez du milieu de mon peuple. Ainsi dit l'Éternel. Quittez du milieu de. Si tu veux ton salut, c'est à toi de voir. Moi, je viens seulement pour passer le message. Si ça t'intéresse, tu prends haut, tu regardes ce que tu vas faire. Cherche le Seigneur dans les lieux secrets. C'est où? Dans ta chambre. Lui-même, il avait dit, il n'avait pas dit, va me chercher dans les entreprises de faux pasteurs. Va me chercher dans les méga churches. Va me chercher ci de colline. Va me chercher, je ne sais pas, à Jérusalem. Non, il avait dit que je cherche les vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et dans la vérité. Est-ce que tu connais ça? Ou bien tu attends que le faux pasteur là t'égare, te tourmente? Parce que quand tu es avec ces gens-là, tu es déjà séduit. Tu as déjà la semence de l'antichrist. Parce que ces gens-là, ils ne sont pas là pour votre âme, votre salut. Ils sont là pour gagner les âmes au diable et s'enrichir. Ils sont en train de chercher à s'enrichir. C'est pourquoi ils vous parlent des choses de quoi? Des gens de business, de partenariat, de quoi tout ça vous écoutez, ce sont des gens là qui parlent des choses comme ça, des finances. C'est pas beaucoup. Viens devant l'autel rapidement recevoir cette offrande, cette enveloppe, je prie pour toi. Viens rapidement, cours devant l'autel prendre. Tu as 10 000 euros de sacrifice que tu veux faire. Avance devant l'autel, viens chercher cette enveloppe de mes propres mains. Je vais prier pour toi. Et là, vous dites que vous êtes en train de vous préparer pour l'arrivée de Dieu. Moi, je vous dis que ces gens-là, ils ont compris comment ils vont vous détruire, comment ils vont vous égarer. Parce qu'il y a des enfants de Dieu là qui ne cherchent pas le Seigneur, mais qui cherchent le miracle, qui sont en train de courir vers ces gens-là pour le miracle, pour connaître leur vie, pour connaître leur avenir, tout ça. C'est comme les gens-là qui cherchaient le marabout, qui cherchaient les charlatans pour chercher à connaître leur vie, pour que tes choses puissent marcher bien, parce que tu n'as pas la foi en Dieu. Alors, ce sont ces FP-là qui ont remplacé ces gens-là. Si tu veux chercher un charlatan, un marabout, va dans des églises de FP. Là, on va te dire de payer tout. Là, il y a les fiches même. On va t'inscrire là-bas pour payer des dîmes. Tu vas être inscrit d'abord. Il y a un cahier là-bas, si c'est leur cahier de livrer des comptes ou quoi. Moi, je ne sais pas pourquoi ils ont ces cahiers-là. Si ce sont des cahiers de décharge, si ces cahiers mensuels de dîmes. Donc, tu entres dans l'église, on t'inscrit, tu es inscrit là-bas comme membre. Alors, chaque mois, tu vas commencer à payer ta dîme. Je ne sais pas, toutes ces histoires-là, est-ce que c'est biblique vraiment?
Tu vas commencer à être aussi une, je veux dire, serviteur ou servante du pasteur. Tu n'es plus serviteur de Dieu ou servante de Dieu, tu es servante du pasteur. Parce que lui, il va t'embaucher et tu auras ton salaire à la fin du mois. Alors vous allez voir les gens qui sont sur le média en train de parler pour son pasteur. Parce qu'elle est payée ou il est payé pour ça. Pour faire des campagnes de son pasteur. Il y a d'autres qui sont payés pour aller chercher les fidèles. Et quand tu gagnes des fidèles, donc ce sont des entreprises quoi. Aller chercher les clients qui vont faire comme des abonnements ou quoi. Et c'est comme ça que dans les églises aussi, des églises entreprises font. On voit les jeunes filles, les jeunes femmes pour chercher d'autres personnes pour venir dans leurs églises. Et quand tu amènes des membres comme ça, tu auras un bonus. Tu auras les bonus qu'on va te donner. Vous comprenez ça? Donc, tu ne travailles pas pour Dieu. Toi, la sœur qui font des choses comme ça, les frères, ne pensez même pas que le ciel sera ouvert pour toi. Le ciel sera fermé pour toi parce que tu es en train d'égarer les enfants de Dieu. Tant que tu fais inscrire les enfants là-bas dans les églises et entreprises, tu seras maudit, tu seras jugé devant Dieu pour ces âmes-là et pour ton âme. Alors, moi je suis là pour vous avertir de quitter ces gens-là parce qu'ils ne travaillent pas pour le Seigneur, ils travaillent pour le diable, pour leur compte. Et c'est pourquoi vous allez voir, un pasteur, il a un projet, il va venir là-bas avec les enveloppes qu'on a déjà introduit dans de l'huile là, satanique, qui vient dans le monde des ténèbres, qui est déjà fabriqué pour vous hypnotiser, pour vous envoûter. Et quand vous aurez ces enveloppes-là, vous serez toujours là pour commencer à voir, c'est quand tu vas avoir la somme-là que tu as dit que tu vas donner. Est-ce que, avec ton intelligence, vraiment, tu penses que l'argent-là, vraiment, Dieu est en train d'agréer ça? Que tu as offert à Dieu vraiment ça? Ou bien à ton daddy là-bas? C'est pourquoi ils font quoi? Ils font des sacrifices aussi au diable. Pour faire quoi? Pour vous servir aussi. Parce que quand tu vas donner cette somme-là, tu vas attendre aussi à un retour. Alors, tu seras béni par quoi? Par qui? Par les démons. Si tu vois quelqu'un qui va aller chez les féticheurs pour qu'il puisse avoir de l'argent, alors c'est comme ça que toi aussi, tu vas chez ton pasteur, tu vas lui donner cette enveloppe-là parce que il t'a dit que comme tu donnes, tu auras beaucoup. Et c'est comme ça qu'ils vont faire, ils vont te bénir avec leurs démons-là pour que tes business puissent progresser. Et quand tu vas commencer à avoir de l'argent comme ça, ne pensez pas que c'est la bénédiction de Dieu. Non, non, détrompe-toi aujourd'hui. À donner des offrandes, débrouillez-vous à trouver un moyen pour donner dans votre église locale. C'est extrêmement important. Vous pouvez donner par virement, vous pouvez donner par PayPal, si vous pouvez donner par chèque, vous prenez une enveloppe, vous marquez et vous envoyez à l'adresse tout simplement de votre église locale ou à l'adresse du responsable de votre paroisse. Okay? Et c'est important que vous demandiez ces renseignements-là à votre responsable de réseau. N'arrêtez pas, vous savez, quand vous arrêtez de faire toutes ces choses-là, vous montrez au diable qu'il a réussi à vous déstabiliser. Démontrez au diable qu'il ne vous déstabilisera pas et que c'est un menteur. Maintenant, pour ceux qui ont l'habitude de payer en espèces, faites tout simplement un acte prophétique. Faites ceci. Le dimanche, quand vous devez payer en espèces, vous prenez une enveloppe, vous prenez ce que vous voulez donner au Seigneur, vous marquez dans une enveloppe, vous fermez cette enveloppe et vous la mettez dans un coin. Le dimanche d'après, ou la réunion où on demande de faire les offrandes, vous prenez encore vos espèces, vous mettez dans une enveloppe, vous fermez et vous mettez dans un coin. Ok? Ainsi de suite. Ne touchez pas cet argent-là parce que cet argent, vous l'avez donné au Seigneur. C'est cet argent qui va garantir le transfert de fonds entre la banque du ciel
matériel et votre compte bancaire. C'est qu'on se retrouve à l'église, vous prenez toutes vos enveloppes, ok? Vous prenez toutes vos enveloppes et je verrai à ce que le dimanche à l'église, on puisse faire cette annonce-là correctement pour que ces personnes-là puissent bénéficier de la prière spéciale parce que en le faisant, en fait, vous montrez que vous êtes maître de votre argent et que l'argent n'est pas votre maître. Sachez que quand certains besoins vont se présenter à hauteur de 450 euros, parce que vous avez donné 150 euros la première semaine, 300 euros la deuxième semaine, vous devez démontrer à cet argent-là que vous êtes maître de cet argent, ok? Et que ce n'est pas cet argent qui vous domine. L'argent que vous avez mis de côté, c'est l'argent du Seigneur. Donc, vous ne touchez pas à ça, ok? Vous ne touchez pas à ça et vous démontrez à cet argent-là que cet argent ira dans les trésors de la maison de Dieu. Et je vous assure, beaucoup d'entre vous, vous allez voir des miracles financiers se produire. Je vous assure, incroyable, des miracles incroyables se produire parce que vous aurez respecté ce principe-là. Tu es en train de te tromper parce que quand ces gens-là font ça, c'est pourquoi leur deal, c'est comment? Il n'y a rien pour rien. Ah oui. Ou bien tu participes, ou bien tu ne participes pas. C'est ça. Parce que si tu ne donnes pas dans des églises comme ça, on ne te considère même pas que tu existes. Et ils considèrent les gens qui donnent les enveloppes et ils demandent. Quand ils vont faire leur projet, ils ont déjà planifié qu'il faut qu'ils puissent avoir 100 000 euros. Et c'est comme ça qu'il va commencer à faire quoi? À distribuer des enveloppes forcées. Tu dois remettre cette enveloppe avec cette somme-là qu'il a demandé. Sans même manquer un euro parce qu'il va te dire que tu as volé Dieu, tu ne vas pas avoir de bénédiction. Alors toi qui donnes de l'argent là-bas, demande-toi, c'est quel Dieu qui bénit quand tu bénis? Dieu nous dit que je vous ai donné gratuitement. Et il faut savoir que la bénédiction de Dieu n'a aucun chagrin. Alors, ce que vous faites là, vous êtes en train d'aider vos pasteurs là-bas à vous conduire dans l'enfer. Parce que Dieu n'est pas avec eux. Et vous le savez bien. La plupart de ces gens-là qui sont en train de soutenir ces FP dans leurs bêtises, dans leurs sortilèges, ce sont ces gens-là que Dieu a dit que ce sont des fils de perdition. Vous êtes perdus aussi comme eux. Parce que vous n'êtes pas des nôtres. On ne peut pas parler le même langage. On ne peut pas s'entendre parce que nous ne sommes pas conduits par le même esprit. Vous avez l'esprit de maman, l'esprit du diable et Satan. L'esprit de la séduction. Mais nous, nous avons l'esprit du Père, l'esprit de la vérité, l'esprit de l'obéissance, l'esprit de l'amour, l'esprit de la paix, de la joie, l'esprit de l'humilité. Mais vous, c'est le contraire. Vous vous êtes fermé le ciel et vous ne voulez pas que les autres puissent y entrer. Et c'est pourquoi vous êtes là pour tromper, égarer les enfants de Dieu. Et quand nous sommes en train de parler, vous n'êtes pas content parce que nous sommes en train de dire la vérité. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Vous, les faux pasteurs, vous vous êtes regroupés. Les Jérémy Soudil, les Marcelo, l'autre là, les Karambili, tous ces gens-là qui se fréquentent, qui se courtoient, les égarés là que vous connaissez sur les réseaux sociaux. Les frères Antons, moi je regrette vraiment pour ces frères-là. Je l'apprécie vraiment. Mais comme il s'est commencé à entrer dans des choses comme ça, pour chercher des visibilités, vous vous égarez avec les seigneurs. Vous pensez que quand vous n'êtes pas en collaboration avec ces gens-là, ces égarés-là, vous n'allez pas faire l'œuvre de Dieu? C'est parce que vous cherchez beaucoup. C'est parce que vous cherchez vite. Et voilà, maintenant vous êtes en train de vous égarer. Bien-aimés, le Seigneur nous a dit, c'est lui qui va résister, qui va persévérer jusqu'à la fin. C'est celui-là qui aura une couronne, la couronne incorruptible. Alors, ne te laisse pas égarer, ne te laisse pas séduire
pas ces séducteurs-là. Nous, on est là pour vous parler. Nous, on est là pour dire la vérité aux enfants de Dieu, aux brebis de Dieu, qui aiment écouter la vérité, qui aiment aussi chercher là où il y a la vérité. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, si tu ne veux pas écouter la vérité, tu es le fils, tu es la fille de la perdition. Donc, tu es comme dans les générations-là de Caïn, dans les générations-là de Judas, qui était avec le Seigneur, qui marchait, qui vivait avec le Seigneur, qui a fait le miracle aussi, comme d'autres prophètes, comme d'autres disciples de Jésus-Christ, mais qui a fini par s'égarer dans la destinée de Caïn, dans la destinée de Judas. Il était prévu d'être disqualifié. Alors, toi aussi, fais gaffe à toi, toi qui suis ces FP. Écoutez la vidéo ici, bien-aimé, ça a choqué les gens, mais c'est une réalité. Vous allez écouter vous-même ce que le Messie il a dit. Il a dit, 10 000 euros, ce n'est pas beaucoup, mais bien-aimé, 10 000 euros, c'est comme le papier qu'on amène à la toilette même pour s'essuyer avec. Ce n'est rien. Ce n'est rien, mes bien-aimés. Et il y a des gens qui meurent dans la famine. Il y a des gens qui n'ont pas été scolarisés parce que leurs parents sont incapables de leur payer les scolarisations. Mais le monsieur, il se donne pour dire que 10 000 euros qu'il demande là, ce n'est rien, ce n'est rien. Ce n'est pas beaucoup. En tout cas, réfléchissez. Si vraiment vous voyez que ces gens ici, vraiment, sont des serviteurs de Dieu, des vrais serviteurs de Dieu, mais c'est un faux. Alors, chaque personne qui se présente devant toi, il dit que c'est un serviteur de Dieu. Il faut savoir que le Messie là, il peut être serviteur de Dieu, mais il ne sert pas Dieu, le vrai Dieu créateur du ciel et de la terre. Parce que il n'est pas comme les apôtres, les disciples de Jésus-Christ. Mais ils sont là pour servir leur ventre. Ils sont là pour servir le Dieu de maman. La majorité des messages que je vous donne, ce sont des messages que le Saint-Esprit m'a donné personnellement. Quelqu'un me suit ici? Et c'est l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes m'ont dit, par exemple hier, que c'est bizarre, on n'a pas encore écouté ce type de message-là quelque part. Mais vous, écoutez-moi bien, vous n'allez les écouter nulle part, parce que ça c'est l'évangile selon Alain Patrick. Ça c'est l'évangile selon Alain Patrick. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit ici. Vous n'allez les... Vous savez, chaque apôtre a son évangile. Quelqu'un me suit ici? L'apôtre Paul a dit selon mon évangile. Quelqu'un me suit ici? Dieu envoie un apôtre pour la francophonie, il lui donne un évangile. Chétani, Satan, le diable en personne, ce sont ces gens ici. Ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas de pitié pour les âmes des enfants de Dieu. Ils sont là pour s'enrichir et vous, ils vous rendent pauvres. Et vous serez toujours là pour espérer qu'un jour vous serez de riches, de milliardaires, de millionnaires comme eux. Ils sont en train de vous ruiner pour s'enrichir. Tous ces millions-là de l'argent qui vous parlent, c'est vous qui sont leurs esclaves. Vous travaillez pour les enrichir, pour qu'ils s'achètent de jets, pour qu'ils s'achètent de belles voitures. Ils donnent à leurs femmes là l'argent là de folie là, de leurs anniversaires même pour fêter. With this key, let her go to my office. My office back of this place. Hey, my office back of this place. Let her go to the office and open. There is a place that this key can open. Let her go and use this key. Open. That thing.
Once she opened that thing, anything she see there is for her. To that place. All right. That is the key. Let's see. Open it, whatever. Vous êtes là. Quand nous sommes là pour parler, vous pensez que nous sommes des jaloux, des jalouses. Nous ne jalousons pas ces gens ici parce que l'enfer les attend. Nous, les choses du monde, ce sont seulement des choses qui vont passer. Nous, on a quitté les choses là, l'amour de l'argent, on a quitté ça. Parce que on veut servir le Seigneur dans la vérité. Mais ces gens ici, ils ne sont pas brisés. Ils ont l'amour de l'argent. C'est pourquoi ils vous prêchent la prospérité. Je ne dis pas qu'un enfant de Dieu doit être pauvre, loin de là. Non, nous ne sommes pas pauvres, mais nous ne cherchons pas à s'enrichir pour détruire les autres. Vous comprenez ça? Donc, ces gens ici, ils vont les payer un jour s'ils ne veulent pas se repentir. Et quand ils se repentent, ils ne savent pas même restituer, faire la restauration de tout ce qu'ils ont volé. Parce que ça, ce sont des vols. Ils sont en train de voler les enfants de Dieu pour s'enrichir. Écoutez quand ils vous parlent, ils ont des jets privés, ils ont des belles voitures avec ses enfants, avec leurs femmes. Ils roulent dans de belles voitures là-bas. Ils sont dans des maisons là, comme des châteaux. Et tout ça, ils vont vous montrer ça sur les réseaux sociaux. Et vous, vous allez dire que laissez les serviteurs de Dieu tranquilles. Vous êtes des jaloux, des jalouses. Vous n'avez rien. Hein? On n'a rien alors. Nous sommes venus sur la terre, on n'avait rien, et on va rentrer, on n'avait rien. Nous avons seulement le Christ dans nous. C'est lui qui est dans nous. Il est plus riche. C'est lui que nous, on a la richesse pour lui. Alors, les gens-là qui sont en train de vous détruire, de détruire vos vies, de détruire vos femmes, pour leurs propres intérêts charnels, et vous dites que ce sont des serviteurs de Dieu. Moi, je vous dis ici, je parle des lois de Dieu. Quand tu es fanatique, ne venez pas ici. Nous, on n'a pas besoin de vous. Ici, ce sont les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ qui sont là, en train de parler la vérité pour sauver les âmes et des enfants de Dieu et voir que nous sommes au temps de la fin, que ces gens-là sont là seulement pour détruire les enfants de Dieu. Les Joël Cabassel avec leur mari, avec d'autres là,
Vous les connaissez, ils sont nombreux. Si on commence à parler de la liste ici, oh, je ne sais pas même combien de listes on peut enlever. Parce que le FP, les faux serviteurs, sont nombreux plus que le vrai serviteur de Dieu. Et c'est pourquoi vous les voyez sur les réseaux sociaux. Ils sont là en train de se soutenir parce qu'ils ont de mêmes choses. Ils ont le même Père qui les conduit pour détruire les enfants de Dieu. Et là, vous allez commencer à dire qu'il y a les vrais serviteurs de Dieu qui sont en train d'aller vers les faux serviteurs de Dieu pour les aider. Vous êtes naïfs ou bien vous voulez tromper aussi les enfants de Dieu. Je vous dis, bien-aimé, si tu vois seulement un pasteur, même si c'était un vrai, il commence à fréquenter ces FP-là, ces faux serviteurs-là. Il faut savoir que il a aussi déjà les semences de faux serviteurs de Dieu, les semences du diable. L'amour du Père n'est plus dans eux. L'amour du monde, c'est ce qui les envahit. Et c'est ce qui les pousse à détruire les enfants de Dieu, à vous ruiner même, à vous rendre pauvres, misérables, malheureux. Vous n'avez plus rien de Dieu. Ils ont déjà volé vos étoiles. Ils travaillent avec vos étoiles là. Vous voyez même le système là. Quand on jette de l'argent, on vous met de l'argent sur les fonds comme ça, ici comme ça. Vous vendez vos étoiles. Pourquoi on ne vous donne pas sur la main? Pourquoi on vous donne seulement ici, on vous colle de l'argent là-bas? Demandez-vous. On va mettre la vidéo de Walesa aussi. Si ça ne termine pas, je vais faire encore Walesa et sa femme, si c'est Angel, Walesa, les sorciers, les satanistes, avec sa fille là, des sorciers. Ça, ce sont des révélations que le Seigneur m'a révélées et je parle parce que je suis convaincu de ce que je parle. Walesa, sa femme et sa fille, son fils, sont des sorciers. Ils travaillent pour le diable. Il n'y a rien de Dieu là-bas. Je parle parce que ce que je vous parle là, c'est spirituel. Je vis. Je vis et je parle. C'est pour la gloire de Dieu. Pour sauver les âmes et les enfants de Dieu qui sont là. Les Walesa, quittez. Il n'y a pas Dieu là-bas. Moi, je vous dis, ce n'est pas aujourd'hui que le Seigneur m'a révélé à propos de Walesa et sa femme. Ça fait longtemps. J'ai regardé Walesa. Mais le jour que Dieu avait commencé à me révéler qui est Walesa. Oh, mes bien-aimés, je m'étais réveillé le jour-là. Le jour-là, j'avais pleuré même. J'ai commencé à dire aux gens que j'avais informé que Walesa. Walesa était bien. Je commençais à les appeler pour les dire, les raconter ce que le Seigneur m'a révélé pour lui. Il y avait même les choses que le Seigneur m'avait révélées. Et quand j'avais vu que Walesa commence à faire ça, soi-disant, il est en train de soigner le bas sous le quoi. Oh, mes bien-aimés, c'est quand je dis que le Seigneur il a confirmé ce qu'il m'avait montré. Walesa, il n'est pas un serviteur de Dieu et sa femme et son fils et même l'autre là, sa fille. Il travaille pour le diable. Je dis parce que c'est le Seigneur qui m'a dit de parler au peuple de Dieu. Si tu veux écouter, écoute. Si tu ne veux pas, tu laisses. Moi, je fais que la volonté de Dieu. Je parle pour prévenir les enfants de Dieu. Je parle pour vous mettre en garde que ces gens-là, ils ne servent pas Dieu. Attendez, on va écouter l'affaire de 10 000 euros de M. Raoul Wafo. Regardez ça. Écoutez ça. Viens devant l'autel rapidement recevoir cette offrande. Cette enveloppe, je prie pour toi. Viens rapidement, cours devant l'autel prendre. Tu as 10 000 euros de sacrifice que tu veux faire. Avance devant l'autel. Viens chercher cette enveloppe. Démets-toi proprement.
je vais prier pour toi. Mm-hmm. Venez chercher dans sa main. Il va prier pour toi. Donc, si tu ne prends pas cette enveloppe-là, il ne va pas prier pour toi. Et quand il prie pour toi, pour que tu puisses aller avec cette enveloppe-là, et tu remets ça avec 10 000 euros, pour lui, c'est paix. Il faut me dire, toi fanatique qui va venir parler ici, commenter ici, il faut me dire, ton salaire là de moi, c'est combien? En Afrique, qui gagne 10 000 euros si ce n'est pas des gens de politique, de politiciens qui gagnent 10 000 euros par mois? Qui gagne ça en Afrique? 10 000 euros par mois. Des messieurs comme ça, c'est pourquoi il vous dit que les églises, ce n'est pas pour les pauvres. Ça, c'est que le message, ça. C'est pourquoi il dit qu'il veut les gens qui sont vraiment des entrepreneurs, des gens qui sont des cadres dans des entreprises, des gens élevés. Parce que quand il aura besoin de 100 000, de 200, de 500, de 1 million, de 2 millions, de 3 millions, de 5 millions d'euros, les gens puissent être capables de lui donner cet argent-là. Voilà des églises que vous allez commencer à dire que ce sont des églises de Dieu. Donne-moi la main, je vais prêcher. Les bébés spirituels, ils aiment toujours recevoir, ils n'aiment pas donner. C'est pourquoi nous avons des problèmes quand Dieu commence à bénir les hommes de Dieu. Il peut trouver normal qu'un ministre soit riche. Il peut trouver normal qu'un avocat soit riche, qu'un professeur d'université soit riche. Mais si un homme de Dieu est riche, c'est un escroc, c'est un voleur. Le ministre, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il parle. Est-ce qu'il se bat? Moi aussi je parle. Le professeur, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il se bat, il parle. Moi aussi je parle. Mais lui donne que le cours de chimie. Mais moi je parle de sociologie, eschatologie, pneumatologie, sotériologie. Je dois être ton papa, ton grand frère, traiter, chasser les démons. Bien aimé, quand nous souffrons, nous sommes des hommes de Dieu. Mais quand Dieu commence à nous enrichir, nous sommes des escrocs. Quelle escroquerie de votre part? Oui, donne-moi la main, je vais te parler. Je dis toujours, je ne suis pas un féticheur. Le féticheur t'enrichit, mais il reste pauvre. Mais moi, je ne suis pas un féticheur. Je prie pour toi, tu deviens riche. Moi aussi, je deviens riche. Je prie pour toi, tu es élevé. Moi aussi, je suis élevé. Je prie pour toi, tes enfants deviennent grands. Mes enfants aussi deviennent grands. Je ne suis pas un marabout pour t'enrichir. Et moi, je reste pauvre. Alléluia. Alléluia. Ah, donne-moi la main, je veux parler. Si ton père physique devient riche, tu es content. Mais si ton pasteur devient riche, voleur. Si ton père physique monte, oh gloire papa, Dieu a béni papa. Mais si ton pasteur devient riche, allez faire une comptabilité des offrandes et des dîmes. Nous voulons comprendre, est-ce que c'est vraiment, c'est pas l'argent de l'achat de la parcelle? Vous commencez à faire des audits improvisés. L'enfance, l'enfance. Content quand on chante, on danse, quand il faut donner. Quand on prêche, alléluia, quand il faut donner. Mais vous voulez une belle salle, des belles lumières, et quand le son n'est pas... Le son n'arrive pas, pasteur. Le son n'arrive pas. Et là-bas, l'écran là ne marche pas. Mais pour que ça marche, il faut l'argent. Pour que ça marche, il faut l'argent. Pour que ça marche, il faut l'argent. Le direct, pasteur, le direct. On n'a pas le direct. Pour que le direct soit en direct, il faut l'argent direct. Mais c'est ça, le direct. Il n'y a pas le direct. Il n'y a pas le direct. Vous vous plaignez des images, mais les images, il faut la caméra. L'image est floue, l'image est floue. C'est parce que ton offrande est floue. Ton offrande est floue, c'est pourquoi l'image est floue. Alléluia. Vous nous exigez, faites ceci, faites cela. On le fait comment? C'est parce qu'il y a des fils à l'église qui donnent. C'est parce qu'il y a des fils qui donnent. Mais les enfants aiment profiter des offrandes des fils.
ouvrez les yeux, peuple de Dieu. Vous-même, la pasteur là, le faux pasteur là, c'est eux-mêmes qui sont à la base de la destruction de leurs frères, de leurs sœurs qui sont là. Parce qu'ils n'ont pas d'amour. Ils veulent seulement s'enrichir au détriment de leurs frères et sœurs. Vous pouvez voir quelqu'un, il est en problème. Mais avant de lui dire qu'on va t'aider dans la prière, on va lui demander d'abord de payer, de donner l'argent, mes bien-aimés. Ces gens-là, ils vont vous convaincre, vous donner ce qu'ils vous demandent. Vous voyez combien de gens ont couru pour prendre ces enveloppes-là, maudites. Écoutez maintenant. Un cœur de fer. Viens devant l'autel. Eh bien, viens prendre ton enveloppe. Viens prendre. Ok. Combien de gens ont pris ça? Viens chercher ton enveloppe. Viens chercher ton enveloppe. Tu t'as mis à cœur de rapporter 5 000 en montant. Viens chercher ton enveloppe. Eh bien, tu es ton palier, c'est 1 000 en montant, 1 000 euros en montant. Et là, je sais que vous êtes nombreux. Viens cours devant l'autel. Viens chercher cette enveloppe. Viens chercher ce sacrifice. Viens chercher. Avez vu comment les gens couraient pour prendre ces enveloppes-là? 10 000 euros. Il y a même les enfants de Dieu qui vont aller s'endetter pour donner ces 10 000 euros parce que le fameux pasteur a demandé 10 000 euros. Vous allez même oublier de payer vos loyers. Vous allez même oublier de payer la scolarisation de vos enfants parce que vous êtes déjà envoûté par ce pasteur et vous allez donner cet argent. L'enveloppe là qu'ils avaient, ils avaient déjà calculé combien de l'argent ils vont recevoir en retour. Et on vous donne le délai pour donner cet argent là. Et vous allez dire que ça vraiment c'est Dieu. Et vous allez dire que on ne parle pas de ça. Non. Si tu es un enfant de Dieu, tu as l'amour des autres. Tu dois parler vraiment. Parce que l'idée là qui est venue dans son esprit, dans son cœur, est-ce que ça vient de Dieu ça? Ou bien ça vient du diable ça? Et quand on est là, on vous dit la vérité, vous êtes là pour nous taxer de tout et de rien. Nous sommes des vauriens. Nous sommes là seulement pour parler de pasteur. Nous sommes là seulement pour je ne sais pas quoi, pour incriminer les autres, pour je ne sais pas quoi. Nous sommes des parfaits, laissez-les tranquilles. Et Dieu seul qui les jugera. Je veux bien, c'est Dieu seul qui les jugera. Mais nous sommes là pour avertir les enfants de Dieu de ne pas se laisser égarer avec ces gens-là. Parce qu'ils ne servent pas Dieu. Toi qui viens parler comme ça, que nous sommes là pour parler ce genre-là, les serviteurs de Dieu soi-disant, entre guillemets, mais ils ne servent pas Dieu. Nous parlons selon l'Esprit de Dieu qui nous a convaincus que ce genre-là ne lui sert pas. Et nous sommes censés de dire au peuple de Dieu, le Seigneur nous a dit lui-même, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est ça leur fruit. Quand ils font des scandales comme ça, et ils vont dire que les gens ne vont pas parler, et quand on fait des vidéos, ils vont dire que c'est parce que nous cherchons des vues ou quoi. Et ils cherchent quoi? Quand ils font ça, ils cherchent quoi? Que Dieu vous ouvre les yeux, vous les fanatiques, qui sont là pour soutenir ces gens ici. Que Dieu vous aide à vous repentir. En tout cas, c'est triste tout ça, vraiment. Ça fait mal. Ça fait très mal de voir des gens comme ça. Et après, ils vont vous dire qu'ils n'ont pas besoin de votre argent. Dieu les a déjà bénis au moment où leur bénédiction
c'est amer. Les bénédictions, il y a les sang de gens là-bas. Les bénédictions, il y a des chagrins sur cet argent-là. Il y a des gens qui donnent par peur. Il y a des gens qui donnent pour faire plaisir au pasteur. C'est triste tout ça, bien-aimé. Quand vous voyez tout ça vraiment, ça, votre soi-disant pasteur, 10 000 euros, c'est peu. C'est bien, il a demandé, mais il a donné le montant et puis il dit encore ensuite que 10 000 euros, c'est peu. Bien-aimé, ayons la crainte de Dieu. Nous, on ne parle pas seulement pour parler. On parle avec un cœur qui a la tristesse de voir quelqu'un qui était censé aider, servir les enfants de Dieu, mais qui sont là pour les détruire, pour les ruiner. C'est pourquoi vous voyez, la pauvreté est toujours en Afrique, malgré la richesse que Dieu nous a donnée, nous a accordée, nous a bénie. Mais il y a toujours la pauvreté, misère. Parce que ces gens-là qui sont là à la tête, ce sont vraiment des serviteurs du diable. L'amour du prochain, ils n'ont pas ça. Ils voient que leur projet pour détruire les autres, vraiment ça fait mal, c'est triste. Ça n'honore pas Dieu tout ça. Vous avez écouté l'autre là qui avait fait quoi? Il avait dit que l'argent que cette sœur-là lui avait remis comme offrande était peu. Lui ne prend pas de petites sommes comme ça. Il avait scandalisé aussi la sœur-là et tout le monde avait vu la vidéo. Et par après, il est venu pour dire que beaucoup de gens ont parlé, je m'excuse, enfant de Dieu, peuple de Dieu. En tout cas, vous jouez vraiment avec les enfants de Dieu. Et le monsieur ici va venir encore par après pour dire qu'il s'excuse s'il avait dit que 10 000 euros se paye. Il va faire aussi une vidéo là. Il va venir s'excuser et il a déjà pris vos 10 000, 10 000, 10 000, vos petits 10 000 euros. Vos petits 10 000 euros vont être déjà pris. Et vous, vous serez là pour dire que j'ai donné à Dieu. Dieu vous a dit qu'il a besoin de vos dollars là, de vos euros là, de vos francs CFA, de vos francs quoi là. Dieu a besoin de ça vraiment. Dieu l'avait dit donner à César ce qui est à César. Alors quand on vous demande cet argent là, c'est pour leur compte. Et vous, vous êtes là, vous ne comprenez pas. Prenez ces enveloppes là, déchirez, allez jeter ça au feu. Voici, vous aurez la malédiction. Prenez cet argent-là, allez distribuer aux pauvres, aux veuves, aux orphelins qui vont prier pour vous, pour votre bénédiction même. Mais ces pasteurs ici, ces voleurs, vous pensez qu'ils ont pitié de vous? Si vous donnez ces gens ici, vous êtes aussi comme eux. Parce que vous faites comme si vous allez chez un charlatan, vous allez donner l'argent pour que vous puissiez avoir le retour avec vos business qui va prospérer. C'est comme ça que vous faites avec ces pasteurs aussi quand vous allez lui donner ces 10 000 euros. Et vous aussi, vous allez vous attendre que vos business soient aussi progressés. Alors, il va vous bénir avec les démons là. Bon fidèle, fidèle à donner la dîme, fidèle à prendre des enveloppes pour donner à tonton pasteur de faire ses projets. C'est triste et tout ça. Ça, ça ne vient pas de Dieu. Tous ces gens qui courtoient ces messieurs ici, fuyez si vous êtes des enfants de Dieu. Fuyez mes bien-aimés. Si vous êtes réellement les enfants de Dieu, que Dieu a accepté d'envoyer son fils unique pour qu'il puisse vous sauver, quittez ces messieurs ici et ses collaborateurs. Quittez ces messieurs. Quittez leur
entourage, ce sont des enfants de même plumage. Ils travaillent pour leurs propres intérêts charnels. Ils ne servent pas Dieu. Vous voyez maintenant, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et quelqu'un qui va te dire qu'il est un vrai serviteur de Dieu, mais il fréquente ces gens ici, il faut douter de lui aussi. Que personne ne vous séduise pas, mes bien-aimés, et que personne ne vous trompe pas pour vous dire que même si tu vois que le pasteur, il est vrai, mais il fréquente ces gens ici, mais lui, il reste vrai. Tu te trompes. Tu te trompes. Quand tu es vrai, tu ne peux pas vraiment collaborer avec ces gens ici. Parce que ils ont leur prédication. Ce n'est pas la prédication de la sanctification. Ce n'est pas la prédication de l'œuvre de la croix. Ce n'est pas la prédication de... Ce n'est pas la prédication de la sainte doctrine que Jésus avait prêché, que Paul, Jean, les autres là, les disciples de Jésus-Christ, ils avaient prêché. Non, leur prédication, c'est comme des coachs. C'est comme des coachs. Comment trouver de l'argent? Comment vivre dans ta famille? Comment être amoureux? Comment faire ceci, cela? C'est ça, leur mission. De Joël Kabasele, de Marcelo, tous ces gens-là que vous connaissez, qui ébattent le public avec leur séduction. Vous voyez? Parce que ce sont des gens de buzz. Ils ne sont pas les serviteurs de Dieu. Les gens qui cherchent de baise sur les réseaux sociaux. Les gens de bordure, comme ils se disent eux-mêmes. Alors, vous êtes là pour voir et écouter. Là où vous voyez qu'on est en train de vous dire la vérité, prenez. Là où vous voyez que ça ne vous intéresse pas, vas-y, laissez continuer avec vos égarements. Mais nous, nous sommes là pour dire aux enfants de Dieu la vérité, que vous n'allez pas leur dire que vous êtes déjà des égarés. Que Dieu, l'Esprit de Dieu vous a quitté très longtemps. Vous êtes là seulement comme des enveloppes. On a déjà enlevé ce qui est important là-dedans. Alors, si tu as écouté, que Dieu te bénisse. Si tu ne veux pas écouter, c'est ton affaire. Tu vas te retrouver un jour dans les lacs de feu avec vos faux pasteurs qui sont là pour leur propre intérêt charnel. Prochainement, par la grâce de Dieu, je viens avec le Walesa. Ce qu'ils vous font aussi là-bas, dans leurs entreprises là, dans leurs ligablos, dans leurs boutiques, dans leur synagogue church, des méga church de Satan, par la grâce de Dieu. Bien-aimé, tu es amoureux, amoureuse de Jésus-Christ, tu as aimé la vidéo. Partagez pour sauver les âmes des enfants de Dieu. Acquittez ces gens ici qui sont là pour vous détruire, pour vous ruiner, pour vous rendre pauvres, misérables. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime bien. Shalom. Maranatha.